Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et pourquoi c'est un grand jour, tu vas me demander? Parce que c'est le jour de mon tout premier braquage sur PD. Donc c'est parti, on va lancer. Ok, on y est. Alors, j'ai ma M4 ou ma M16 ou je sais pas. Wow. Ok, c'est comme Hitman. Ils peuvent me voir et tout. Comment est-ce que je m'en sors pour le tuer discrètement? Après, est-ce qu'on veut le tuer discrètement? En vrai. Détecté, merde. Pas la peine d'être discret, rentré. Ok. Alors là, c'est lui qui me l'a dit, hein. En fait, on les one shot, c'est trop bien ça. C'est pas comme Sniper Elite où faut leur mettre 40 balles pour les tuer. Il m'a dit faut que je le connecte pour qu'il puisse ouvrir les portes. Faut qu'on trouve des boîtiers. Oh, vous êtes lourds les frérots, je suis désolé, c'est pas contre vous hein. C'est vraiment pas personnel, mais j'ai du travail en fait. Ah, c'est là-bas qui sont les boîtiers. My bad, j'avais pas vu. Ouvrir. Ok. Ok, l'autre il est là. Hop, discret, tac tac. Ah non, ils ont interrompu. Pour les empêcher d'interrompre mon piratage. D'accord, comme ça je peux m'introduire. Ok, accéder à la réserve. Parfait. On bouge, on bouge, on bouge. Ils vont pas venir ici quand même. Ils savent pas que je suis là. C'est bon, je suis caché. Wow, le jeu est vraiment dark. Carrément, je palpite, frère. C'est trop riche en émotions. Carrément, du coup, si tu veux acheter le jeu, il coûte 1,65€ sur Instant Gaming. Je te mets le lien en description. En même temps, tu vois, ça peut soutenir la chaîne. Ça fait plaisir. Mais ils savent que je suis là. Ok, maintenant, faut aller au coffre. Je vais au coffre. Je m'en fous. C'est mon premier braquage. Placer l'appareil sur le pavé numérique. Ok, vite, 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 vite. Pas aller dans le bureau du commissaire, il a dit. Je sais pas, il est où le bureau de tonton commissaire? Je peux aller aux toilettes. Ils vont pas me suivre aux toilettes non plus. Oh. Ok, le bureau du commissaire, il est là. Une perceuse. Parfait. Ah, moi, je surveillais autour de moi. Bon, par contre, c'est long, là, pour percer. Toi, meurs. Bim. Toi, meurs. Boum. Toi, toi. Ah, mais en fait, je me débarrasse de vous tous, hein. Y'a pas de problème. Ah, là, c'est ouvert. Et dire que j'aurais pu faire tout ça discrètement. Mais vous me connaissez hein. Je suis pas un joueur de discrétion. Même si je voudrais hein. Honnêtement je voudrais mais. Regardez comment il... mais lui il a pop devant moi. Ils ont arrêté l'ordi. Oh les fils de flûte. Oui Ota. Coup de crosse. Boum. Les coups de crosse ils sont pas très efficaces hein. Non mais ils viennent par les vitres. Mais vous croyez que vous êtes le FBI ou quoi là? Ok c'est fini. 0848, 0848, 0848, vous retenez hein. Laissez-moi, mais laissez-moi, je veux juste mettre le 0848. 0848, validé. Entrez dans le coffre, vite, vite, vite. Oh non, je vais mourir mais... Je décède là. Est-ce qu'il n'y a pas... Non bah je vais... Il n'y a pas de soin hein. Je suis parti, ils ont tous des pop, c'est parfait. Ah mais on peut toujours jouer à la discrétion en fait. J'ai capté. Ah. Avec mon peu de vie que j'ai. Vite, 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 vite. Tout ça pour un coussin, t'es sérieux? Mais oui, mais j'ai fait tout ça pour un coussin. Moi je dis je cours. Et on court, on court, on court, on court, on court, on court. Ah, on court, on court, on court. Comment je m'en sors moi? Ah, faut que je trouve un outil. À l'accueil, il n'y a pas d'outil dans les tiroirs ou... Il y a un Mac peut-être, mais... Oh le logo, ils ont fait une poire. C'est quoi tout ce monde? Je recharge ou pas, sachant qu'il pourrait arriver à tout moment. Mais j'ai 4 munitions, qu'est-ce que je fais? Voilà, je savais! C'est pile quand je recharge qu'ils viennent. Bon, j'ai capté du coup, faut que je monte. L'outil, il est là-bas, là. Bon, j'ai plus de vie, carrément. Oh, ça y est, je suis mort. Là, c'était tellement n'importe quoi. C'est bien, tu sais, j'ai beaucoup de vie, j'ai beaucoup de... ce que tu veux. Mais on l'a pas fait discrètement. Pour moi, la beauté d'un jeu d'infiltration, c'est que personne ne sache que t'es passé par là. À part certaines personnes, mais qui sont déjà mortes, tu vois. Mais au moins, j'ai appris de mes erreurs et tout. Ok, faut que je trouve une solution pour contourner les détecteurs d'entrée. Au pire, je passe par l'arrière. Hein. C'est évident que faut passer là-bas, je pense. Ah, les disjoncteurs. Bah, c'est lui, là, non? Et tac. Comme ça, les détecteurs d'entrée, ils fonctionnent plus. Non, mais en fait, c'est super. Mais voilà, mais c'est super. Lui, il sait pas que je suis là. On va y aller discrètement. Ok. Avec un coup de crosse, j'ai pu péter la caméra sans qu'elle me voie. J'ai capté. On peut jouer à la discrétion, mais c'est trop galère. On s'en sort, on s'en sort. Où est la caméra ici, dans cette pièce? Ok, coup de crosse. Bah, ouais, j'ai compris en fait la technique. Ouais. On en profite pour crocheter la... Ouais, t'inquiète, je vais aller au boîtier électrique, mais tant que je suis discret, j'en profite pour voler des bijoux. Il y a un cadavre ici, c'est... Ouais, bon, certains diront que c'est un monument historique. Moi, je dis que c'est un cadavre. En fait, si je pète un peu toutes les caméras, déjà, je gère bien avec les agents de sécurité, on peut s'en sortir, hein. C'est une caméra par ici? Non. Mais c'est sûr, c'est une pièce à caméra ici, pourquoi il n'y en aurait pas? Oui, attends, toi, je vais t'ouvrir les boîtiers électriques, t'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? C'est où? Ça vient d'où? C'est qui? Pourquoi? Ok, là-bas il y a une caméra. J'ai trouvé elle. Là il y a un agent. On va contourner et on va s'en sortir. Ah, ils sont là-bas les deux boîtiers. En fait, j'ai capté. Si tu galères trop, on te les révèle en retard. T'as vu l'agent, mon pote? Tu l'as vu? On l'a vu tous les deux. Ok, parfait, il est retourné.
Ok, j'ai pété. Et il y a une caméra là-bas, tu l'as vu. C'est ça, c'est toute la mécanique du jeu. Casser les caméras sans se faire voir par les caméras. Lui, il commence à capter qu'il y a un truc chelou. Mais tant que... Oh, il a failli me voir l'agent. Attention. Lui, me dis pas qui... Non. Ah, ça y est, il a capté qu'il y a un méchant déjà. Il fait déjà un report. Il a activé l'alarme. Mais non. Mais ça se passait trop bien. Mais on m'a pas vu, arrête de mentir. La vérité, tout s'est bien passé, tu mens. De toute façon, ils savent pas où je suis, moi. Ils savent pas que c'est moi. Mais ils savent pas c'est qui, ils savent pas c'est quoi. Moi, je vais rester caché ici, hein. Hop, elle, je la pète. Là, s'ils viennent, c'est que c'est de la triche. Ah ouais, merde, je crois que vous êtes trompé de porte, les gars. C'est de la triche. Ah. Et là, je me cache aux toilettes, là. Je crois qu'ils savent pas que c'est moi le méchant. Enfin, j'espère. Parce que s'ils me rejoignent aux toilettes, mon pote, ça va se passer entre moi et un bon policier, là, on va. En tout cas. Eh, ils ont pas encore désactivé. Ils me laissent faire mon affaire. Eh, tu vois, ça c'est bien ça. Hein. À mon avis, là, il reste genre 20-30 secondes. Moi, je suis caché aux toilettes. Mais tu le vois pas, il est caché aux toilettes. Vous m'aurez pas. Depuis que j'ai compris la mécanique de discrétion, c'est bon. En plus, j'avais dit, quand on fait discrètement, c'est beau. Et bah là, imagine, j'arrive à rester discret et infiltré, même alors qu'il y a des policiers qui savent qu'il y a un méchant quelque part. Non, c'est pas le policier qui vient me faire l'amour dans les toilettes. Wesh, 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 wesh. Mais c'est. Mais c'est un gangbang là! Allez vite, 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 faut aller au coffre! Le code c'est 0848, je le connais, t'inquiète. Ah, nouveau code, ok. Ok, au-dessus, on va aller dans le bureau du commissaire, comme tout à l'heure. Là ça se passe bien mieux. Moi je vous connais pas, moi je fais que mon travail. Ah ouais, mais en fait l'architecture du bâtiment elle change en fonction des games. C'est une richesse du jeu. Mais le riche ce sera moi après ce braquage, t'inquiète même pas. Là ça se passe, le truc il se perce tranquillement. Mais tu trolls, frère. En une seconde, il a réussi à bloquer la perceuse. Juste, il reste combien de temps? C'est écrit ou pas? 90 secondes. Ok, bah ça va. Déjà, je suis content parce que du coup, les policiers, ils sont arrivés. Ils ont pas vu les deux boîtiers. Non, deux. Ils ont pas vu les deux boîtiers. Eh ben, vous savez, ça me fait penser à quoi, ça? Parce qu'en fait, là, on est dans la vue braqueur et terroriste. Ouais, en vrai, c'est terroriste, on peut tuer des civils et tout. On est sur PD. Il y a aussi le jeu qui s'appelle Ready or Not, où on est avec une unité de force spéciale. On doit y aller avec des boucliers, s'introduire, négocier avec des terroristes et tout. Et apparemment, il y a des trucs ultra gore, des fois, des cadavres, des trucs... Mais tu sais, d'une façon... troublante. Donc je pense que ça pourrait être intéressant d'en faire du contenu. Ok, ça aussi, ça prend quelques temps, mais on s'en sort, t'inquiète pas. 1, 2, hop. Combien de temps? Ah ouais, 95 secondes. Bon courage pour ma pomme, hein. Juste s'ils pètent pas les vitres, là, ça m'a... Ah bah, ils l'ont déjà pété. Mais non, mais arrêtez! Hey, mais il s'est introduit! Eh, hey, je suis sorti! On n'est pas aux toilettes là! Sortez! Juste, j'espère que ça recommence pas du début. Mais je t'assure que c'est pas normal, frère! Mais il m'a flash alors que je t'ai retourné! Mais c'est quoi ce jeu? Non, non, non! Ok, faut que je me heal! Vite, vite, vite! Se soigner! Attends, 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 attends! Oh, je suis poule! Oh! Il faut maintenant retourner au PC, voir le code. Puis le mettre en bas comme tout à l'heure. 51-85. 51-85. Tu retiens, hein. 51-85. Non, je suis mort de chute. Je suis mort de chute. Je suis mort de... Non, non, je refuse. Je refuse. Pas après tout ça. Mais j'ai trop bien joué. Coq, laisse-moi, frère, j'ai trop bien joué. Et t'es en train de me dire qu'il y a des humains normalement constitués avec de l'eau, du sucre et tout. Ils ont réussi à one-shot ça. C'est quoi le code? C'est quoi le code? 43-54. 43-54. 43-54. Bouge de là! Ouais! 43-54. Et c'est parti. Ils mourront pas! Let's go! On s'en sort, hein, au bout de... Ça doit faire une heure que... Ouais, une heure que je suis dessus. Aïe, 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 les jeux d'infiltration, c'est pas mon fort. Et le problème, c'est que je les kiffe trop. Mais je pense que je vais devoir lâcher le steak, hein. Non, non, je vais pas lâcher le steak. Mais c'est pour dire que j'aime trop les jeux d'infiltration, mais j'arrive jamais à m'infiltrer. Moi, je pense que c'est juste un manque d'expérience, tu vois. À force, tu commences à comprendre. Genre, tu sais, les PNJ qui te reconnaissent, les caméras, tout ça. Voilà, les policiers qui spawnent derrière toi. Very pleased with the performance. T'inquiète pas. Ok, là il y a le coussin. Donc maintenant il y a besoin de l'outil pour lequel on va projeter la serrure. Ça va, on te dérange pas toi, hein. Alors on va aller chercher l'outil. Ouais, tu vois, il y en a trop qui commencent à spawn. Qu'est-ce qu'on fait? On refait la tactique. On va aux toilettes. Boum. T'entends ce bruit? Le. Ça veut dire qu'ils ont disparu. Bon, eux, c'est parce qu'ils voulaient me rejoindre aux toilettes. Tu connais, parce que je leur fais de l'effet. Hop, on va se cacher là pour le deuxième. Ils tirent pas sur moi là. Ah si, à travers ça. Mais vous êtes vraiment des golemons, hein. Non mais franchement, c'est qui votre employeur? Je vais lui dire 2-3 mots, moi. Je pense que c'est le moment pour y aller. Mais oui, mais y a trop d'ennemis. J'ai vu l'outil, là. Y a trop d'ennemis qui pop.
Ok, parfait. C'est le moment, je m'en fous. Eh, dans tous les cas, allez, je crochette la serrure. Ils peuvent me flash, ils peuvent tout ce qu'ils veulent. Bon, par contre, faut. Non. On est à la moitié. Allez, vite. Non, je vais avoir un HP. Ensuite, je m'échappe. Mais j'en peux plus, frère. Découpé. Et bah voilà. Tout ça pour un coussin, quoi. Attendez l'hélicoptère. Dehors, j'imagine. Ouais, c'est ici. Il y a l'hélico. Oh, si c'est la fin de la mission. Montez dans l'hélico. Oui, je vais monter. Oui. Enfin. Après 1h15. Enfin, on l'a fait. Bon, bah, cette première mission de PD2, on l'a achevée avec plus ou moins de succès. En tout cas, si tu veux une vidéo dans le genre, t'as ma vidéo découverte de Sniper Elite juste ici. Ou alors ma vidéo découverte de Hitman 3 ici. Voilà, t'as le choix. Moi, je te souhaite un bon visionnage. Et à tout de suite.